Je suis Ibali Narcisse, ingénieur agronome de profession génie rural. Je suis responsable de l'association des ingénieurs agronomes des eaux et forêts, diplômés de la FASA, qu'on appelle AIMAFF. Bon, c'est depuis 2003 que notre association s'est formée. À cette époque-là, il n'y avait pas de recrutement dans la fonction publique. Nous sommes donc regroupés pour voir ce qu'on peut faire avec nos camarades. Et donc nous sommes venus de transformer cette association en une sorte d'ONG. Actuellement, nous existons et faisons actuellement des produits comme les séchoirs, les incubateurs, pour œufs de poule, œufs de caille, etc. Nous encadrons aussi les paysans dans les villages, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, et même l'infrastructure rurale. Pouvez-vous vous présenter votre séchoir? Okay, le séchoir, ce séchoir nous le faisons aussi depuis longtemps. Ça c'est un prototype. Cette taille, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a aussi de plus grands. Ce séchoir, c'est pour sécher les légumes, fruits aussi. Bon, l'avantage de ce séchoir, c'est que vos produits sont séchés sans être dénaturés. Ils conservent leur couleur. Comme vous voyez là. La couleur est conservée et les vitamines aussi ne s'évaporent pas, contrairement au séchage à l'air libre. Et puis le séchage ici est rapide, puisque ici à l'intérieur, vous pouvez avoir dans les 80 degrés, mais ici dedans, dans les 60 degrés maximum, vous permet de sécher très rapidement. Les légumes, c'est quelques heures. Et les fruits qui ont beaucoup d'eau, c'est au bout de 2 jours. À combien coûte ce séchoir, par exemple? Le séchoir de 50. La montagne, ça dépend de la taille et puis du matériau qu'on utilise. On n'est pas toujours obligé de mettre la tôle comme ça, en fonction de vos moyens et de la capacité.